Bonjour à tous et bienvenue sur Benoît494 pour ce nouvel épisode de Total War Warhammer 2 avec Lord Skrulk et les Skaven. Et donc on est de se faire attaquer par Tyrion himself sur la nouvelle colonie qu'on venait de piquer avec Zoatl. Donc on va prendre part à la bataille. Et puis on va essayer de gérer ça, ça risque d'être chaud. On risque de perdre. Il a beaucoup de cavalerie. Il a cette saloperie là. Il a toutes ces saloperies là. Ça va être coton, ça va être coton. J'ai pas l'impression en plus de ça que le terrain soit super super génial. Le terrain n'a pas l'air terrible pour la bataille du monument de la Lune. Ok, c'est ce qui me semblait. Pas terrible, terrible, hein. C'est pas terrible, terrible tout ça. Donc, on met tous ces gens en mode garde. On désactive le mode escarmouche. Et on va commencer à se placer. Alors, eux... Voilà. On va mettre tous ces gens-là dans un groupe. Voilà. Et on va tout faire pour essayer de casser leur élan. On va mettre nos canons ici. Voilà, nos batteries de canon. Ces unités de tir là. Ces unités de tir là. Ces gars-là. Ces gars-là. Ces gars-là. Donc. Les deux là. Donc toi tu viens ici. Ça va de soi. Toi tu viens ici. Ça va de soi. Command.
Oups, il va se mettre ici. Voilà. Ces gars-là, s'ils sont là, ils sont cachés. Non, ils sont pas cachés. Je peux pas les cacher nulle part, en fait. Non. Je ne peux les cacher nulle part. Ah, c'est ennuyeux, ça. Mais eux, je peux les cacher, non ? Non plus. Ah. Du coup, ce que je vais peut-être pouvoir cacher, ça sera cela. Et du coup, le groupe 3, bah, ça va venir là pour le moment. Et puis le groupe 2, bah... Voilà. Non, en fait. Plutôt faire comme ça. Et ce groupe-là, ici, comme ça. Voilà. D'en haut, il devrait pouvoir arroser assez violemment. Maintenant. Ouais, donc ces gars-là, j'ai pas l'impression qu'ils soient vraiment cachés, quoi. Du moins, pas ceux-là. Du coup, ceux-là. Je vais peut-être plutôt les passer dans le groupe 2. Et les mettre quand même ici. Et nos rats ogres. Est-ce que je peux les cacher, les rats ogres? Non, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression que je puisse les cacher, c'est très chiant ça. Parce que si j'avais pu les cacher, j'aurais pu les mettre dans un coin comme ça et les faire attaquer dans le dos. Parier. Merde. Bon, c'est pas grave, je perds qu'un point de magie, mais bon. Voilà, nos canons. Bon, bah, on va commencer la bataille, on verra bien. Qui est en train de détacher cette unité là. On y va, par ici, je sais pas ce qu'il est en train d'essayer de faire. On nous envoie des troupes. Pause, on commence à réussir à tirer. Donc. Ah merde, j'en ai pris deux! Ah, quel con! Bon bah tant pis, il va falloir qu'on se prenne quelques salves. En attendant qu'ils avancent. Euh...
Ça, ils sont encore trop loin. Nos canons. Donc, nos canons. Essayez de vous concentrer tous sur les mêmes gars. Voilà, comme ça, vous le shootez. Et une fois qu'il est mort, bah, vous tirez sur, sur un des petits copains. Voilà, j'ai mes unités là qui sont légèrement en danger d'être repérées. Voilà, ici bon on se prend des tirs mais ça va encore. Faut que j'attende. Hein. Allez, avancez. Hein. Avancez, bande de fumier. Non, il renvoie sa cave. Hein. En train de nous faucher à distance avec son truc là, il a une de ses portées, c'est assez incroyable. Voilà, vous allez arrêter de tirer pendant un certain temps, ça va être bien. Non, vous restez là pour le moment. Vous vous mettez en mode escarmouche. Voilà. En temps normal, on veut pas trop, mais là, on veut. Ici, commence à tirer sur ce gars-là. Pendant que vous continuez à tirer sur les gars là-bas. Toi, essaye de, à la limite, tirer sur ce gars-là. Voilà, si vous pouviez nous les démonter. Ici, donc, on n'a pas réussi. Hein. On s'est fait... c'était sûr. Mais, du coup... Voilà, ici... Voilà, ok, on va refaire une petite pause. Ici, ces gens-là, ouais. Ici, ces gens-là, ouais, bof. Donc en fait, ce qu'il faudrait, c'est que vous fassiez ça. Et que vous fassiez ça. Voilà. Vous continuez à attaquer ça. Vous attaquez ça. Donc vous, bah, vous l'attaquez aussi. Vous attaquez ça. Vous tirez là-dessus plutôt. Et c'est reparti.
trucs ici. Ok, ça. Toi, par toi. Non. Non, non. Pause. Oh là là, c'est juste perdu d'avance. Vous, là-dessus. Vous tirez là-dessus. Vous tirez là-dessus. Vous tirez là-dessus. Vous. Allez. Voilà. Ces unités-là, on va les faire reculer. Ces unités là, on va essayer de les faire fuir. Ici, allez, 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 déboîtez ça, vite, vite, vite. Vite, vite, vite. Vous, essayez de me buter ce mec. T'envoie ça, t'envoie ça. T'envoie ça. Tac. Bim. Bim, ici tu peux envoyer ça. Tu peux envoyer ça. Ici ça fuit, ici ça fuit. Voilà. Ici, allez, 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 allez. Faut me buter tous ces gens-là, là. Faites votre job. Vous êtes où? Mais massacrez-les normalement, vous pouvez les massacrer. Ils sont à votre portée ceux-là. De se faire déboîter. Vous revenez là-dessus. Vous tirez là-dessus. Vous les moines, essayez de vous barrer. Voilà, allez-y là-dessus. Vous tirez là-dessus.
tirer là-dessus. Vous, attaquez-moi ça de flanc. Et c'est juste la débandade. Je peux balancer une boule de feu ou ça. Ok, on a du guerrier qui revient. Ici, lui, il est en train de fuir comme un lâche. Vous, butez-moi ça. Vous, butez-moi ça. Eux, bah d'accord, ils sont en train de fuir. Super. Allez là. Allez là. Et lui, il est complètement poursuivi par une cavalerie, quoi. Oh là là. On est tombé comme des mouches. Pardon. Continuez à me canarder ça. Et vous, par contre, venez ici. Canarder ça. Vous tirez là-dessus, putain, tirez. Oh là 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 là, mais c'est une catastrophe. Oh non. Bon bah voilà. Putain. Il m'a démonté. Mais il m'a déboîté. Bon, l'avantage des forces était clairement en sa faveur. Mais bon. Ouh. Putain. Ils nous ont fait mal. Hein. Sa cave. Mais sa cave, elle nous a mis. Eux, là, j'ai rien pour lutter contre eux. Ils sont tellement balèzes, ces enfoirés. Ah, c'est pas grave, hein, de toute façon, derrière, il y a... Il y a... Bah, notre général qui est là pas loin et on va aller lui poutrer le nez mais défaite de justesse hein, quand même. On aurait presque pu. Parce que nos canons ils ont fait le café. Hein. 109, 93, 29. Par contre, c'est bizarre, c'est que je leur ai demandé de tirer sur ces trucs-là. Et ouais, mais après, quand il y en a un qui est tombé, en fait, quand le premier est tombé, après, ils ont dû tirer un petit peu partout. Ils ont dû même tirer dans nos propres troupes à un moment. Donc,
Mais disons qu'au moins comme ça, il a eu beaucoup de mal à me contourner. Voilà, donc cet enfoiré va s'installer. Non. Ah non, il continue à avancer. Oh bah t'es mort. Ce coup-là, t'es mort. Avance rapide. En plus, tu fais ça. T'as trop bien fait, mon garçon. Là, sur ce coup-là, vu comment je suis fâché, tu vas prendre mes chairs. Tu viens de me déboîter une de mes armées encore. Mais là, j'ai la colère, là. Ok, donc lui, il radine des armées pour protéger le peu qui lui reste, hein, ce qui est logique. Scalpose a été blessé. Ah bah oui, c'est la bataille, ouais. Mort au combat, Dorglost, malheureusement. Monument de la Lune. Assassiné, échec. Éliminé, Mazda Mundi. Un nouveau disponible pour être entrepris. Donc ici. Bim. Voilà. On commence par ça. Ça c'était clair. Ici. Stink of command. Ben, on va aller buter ce monsieur. Est-ce que j'ai pas des agents qui pourraient aller lui. Non, par contre ici ça peut. Ici on peut attaquer les unités. C'est un échec total, il s'est blessé ce con là. D'accord. Donc ici il a quoi dans son armée? Ok, il a beaucoup de caves. Il a un gros nègre. Donc, si je m'avance ici. Voilà, et que j'attaque avec lui, logiquement, on est bon. Et du coup, il y aura à nouveau une bataille dans le prochain épisode, puisqu'on va s'arrêter là pour cet épisode-là. Donc vous connaissez le refrain, n'hésitez pas à liker et à partager les vidéos, ça aide la chaîne à se faire connaître. N'hésitez pas non plus à me laisser vos petits commentaires et conseils, c'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, excusez-moi pour le blanc. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve demain pour la suite de nos aventures.